Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai rien entendu! J'ai rien entendu! Est-ce que vous êtes prêts les gars? Parce que là ça y est, c'est parti, ça va décoller. Le versus ultime entre les CF4 et les SVA 2100. Il va démarrer tout de suite. Et je vous ai préparé une petite playlist avec une vingtaine de musiques. Donc on va passer tranquillement. Je vais switcher selon le temps qui nous restera. Et en tout cas, faites-vous plaisir. Et je me fais plaisir en même temps. Et avec un petit débrief à chaque fois. Allez, c'est parti les gars. On se fait un bien fou aux oreilles parce que franchement, c'est un régal, un régal. Allez, c'est parti, on balance. À savoir que speaker B, ce sont les JBL. Speaker A, les CF4. Voilà. Allez, go. Go, 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 go. Belle, il faut toujours leur donner un petit peu de sauce. Petit changement les amis, petit changement. C'est parti. On est toujours sur les CF4. You don't care if you hurt me, leave me.
Ouais, j'aime bien ce son homogène. Ça, j'aime bien. Tu vois, l'artiste, il est devant moi, là. Il est devant moi. Regarde. On va switcher avec les clips. Attends, je baisse un petit peu. Là, tu vois, il est dans l'ensemble de la pièce. Il est sur scène. Il fait son show. Rien à voir. Le son n'a rien à voir. Un petit changement, les gars. Petit changement. Allez, qu'est-ce que c'est? Musique de film, je crois. En plus, je t'avais dit que les SVA 2100 sur les films, attention, attention, elles font très mal. Elles sont prévues pour ça. Hein. Je vous le dis, les gars. Donc là, on est toujours sur les CF4. Je vais mettre un petit peu plus fort. T'as moins grave. Sur les gibets, regarde, c'est monstrueux. Oh, oh. Voilà, là on y est. Eh hey, les gars, attendez. Je m'arrête deux secondes là. Juste pour vous faire un petit débrief. Pourquoi le petit débrief? Parce que là, je sais pas si t'as entendu les différences. C'est incroyable. Tu sais que les SVA, elles sont sorties justement pour le home cinéma. Et là, justement, t'as un son qui est typiquement home cinéma. C'est-à-dire que t'as un grave qui est pesant.
T'as un son qui est vraiment pas du tout agressif. Je sais pas comment te le définir. C'est un son home cinéma en fait, mais tellement bon, tellement plaisant que là, du coup, là, vraiment, pour le coup, je préfère largement les SVA 2100 sur cet ensemble musical. Voilà. Là, vraiment, c'était. Là, il n'y avait pas photo. Je sais pas si t'entendais là-haut. Là, t'avais carrément là tout ça. Toute cette partie-là qui vibrait, elle était limite en transe, tu vois, elle était comme ça. Face au bruit, le bruit que ça faisait, les basses. Ouais, c'était. Franchement, j'ai kiffé de ouf. Mais vous inquiétez pas, les CF4 aussi, elles en ont dans le ventre, mais différemment, tu vois, c'est vraiment différent. On est vraiment avec deux enceintes totalement différentes. C'est pour ça qu'il faut les prendre à la légère avec des pincettes, faut pas directement dire cataloguer entre les deux en disant, ouais, tiens, celle-là. Vas-y, elle bat à plate couture l'autre. Non, non, elles ont toutes les deux leur truc. Voilà. Mais en tout cas, y a des belles. C'est une belle battle. Franchement, c'est une belle battle. Allez, on continue. On continue, c'est parti. Hop. Je sais pas ce qu'on va se mettre. Attends. Oh, c'est beau ça. Là, on est toujours sur les JBL, les gars. On change de registre. Allez. On va toujours sur les JBL. Avec du son moderne. Allez, c'est parti. Son quinf. Mama Nengai. Everything good, alright.
quand le grave qui est derrière, il fait. Petit changement. T'entends l'aigu là direct. Le grave il est bien rond hein, quand même. Me and you, we can be something we want to. When I see the dream we're chasing through, and I care for me, yeah, yeah. Luckily, we're free to be first class wedding guests. C'est pas pareil. Allez, on va changer de son, les gars. Eh, mais en fait, j'ai l'impression que je pourrais passer la. Je vais passer la soirée avec vous, en fait. Oh là là là, là les gars. Les gars. Tiens, regarde, c'est pas mal ça. C'est que je choisis mes instrumentales, tout ça, hein, parce que c'est très important. Regarde, écoute bien. Toujours sur JBL. Hein. Allez, bon. Avec ça, et les gars, ça fait bientôt 20 minutes hein, quand même. On va faire le petit changement. Je voulais vous passer du son de femme, voix féminine, les gars. Je cherche. Ouh, c'est rock'n'roll ça. Hein. Ça te dit ça vite fait? Allez, vite fait. Là, on est quoi sur CF4? J'ai envie de les pousser plus en fait. J'ai envie d'augmenter. Oh, c'est timide. Oh, 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 oh. Oh la vache. We'll be right back.
écoute, écoute la différence d'impact. Ce mec, c'est séduisant. Est vraiment lisible, t'entends vraiment tout, c'est bien homogène, attention changement. Regarde, regarde, elles sont énervées. Petit changement de musique, les gars, vite fait. Je me dépêche parce que, tout à l'heure. Alors, attends, je voulais vous passer un petit morceau de jazz. Un petit truc instrumental, là, vite fait. Oh là, j'ai mis trop de son aussi, moi. Les gars, j'avais trop de son à vous faire écouter, en fait. Je me rends compte que maintenant. Moi, si vous voulez, je vous fais une vidéo d'une heure. Hein. Y a pas de souci. Hein. So we already in too deep. Can't get no sleep on each other. Carry teasing all day. And when the sun sets, you asking me to come through, pick it with you. Night into morning dew. And you feel it for sure. You don't wanna go slow, for sure. We both already know your place is my place now. My place is your place, let's face it. Baby, I know all the places, places. My place is your place, my place. Ça n'a rien à voir. Allez, on change de musique. Les gars, le son entre les deux n'a vraiment rien à voir. Franchement, je vous le dis. Hein. C'est pas, en fait, c'est pas qu'il y en a une plus mauvaise que l'autre. C'est que le son, il a rien à voir. On est dans un level qui est tellement... qui est très haut, tu vois, mais d'un niveau différent. C'est complètement ouf, vraiment. Oh là là, c'est bon ça aussi. Ah, je vous lâche plus les gars, je vous garde avec moi là. Vite fait, hein, vite fait.
Vegus, la JBL, le Twitter Audax, le taf qu'il fait. Je te remets la clip. Est-ce que tu sens que le haut médium il vient un petit peu par-dessus? Et contrairement à l'aigu qui tu vois qu'il est un petit peu plus tassé. Enfin tassé façon de parler en fait au niveau de l'équilibre je te parle. T'entends le kss, avec le reste en fait qui suit. Très intéressant. Changement. JBL. Non, non, ça se fait pas les gars. Ça se fait pas, on était bien là. J'étais en train de vous décortiquer la musique. Ah dommage, c'est pas grave. Ah, attends. Fais voir ça un petit peu. Ça a l'air méchant ça hein. On est toujours, enfin, là on est sur JB là. Attention. T'as vu le volume jusqu'où je le mets, là. On se fait plaisir. Ah oui, c'est énervé. C'est plus impactant hein, t'as eu sur les clips. Le son est direct plus ça devient plus aux oreilles. On va changer. Les gars, je mets une dernière musique. Hein. Ça marche. Et après, on se quitte. Parce que je suis bien avec vous, hein, mais quand même. Il faut savoir garder raison. Ah, allez. Attends. Attends. Ah, je veux tellement vous faire écouter de choses, les gars, si vous savez. Il y a plein de choses. Piano, ça vous dit? Bon allez, on part là-dessus et on finit là-dessus, d'accord? Donc là, elle clip, chez. Allez. C'est très vivant. T'as bien la séparation des instruments là, à gauche et à droite. T'entends les impacts là, juste avant. Let it be.
que le son avec les JBL, il est super lisse. En fait, c'est que c'est tellement... en fait, il y a un côté trop propre. Tu vois, c'est... Voilà, la propreté. Attends, on va repasser sur les clips vite fait. Tac. Ouais, ça, c'est pas pareil. Incroyable. Incroyable, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte des différences énormes qu'il y a entre ces deux enceintes. Où là, tu vois, quand j'étais avec la clip, chat, là, j'étais vraiment en mode... on était en train de siroter un petit cocktail dans un bar. On était entre nous. Il y avait la chanteuse qui était là avec son orchestre, avec ses musiciens, et on savourait ensemble. Voilà. C'est incroyable. Alors que sur les JBL, justement, c'était tellement propre que justement, c'était trop propre. La chanteuse, elle était vraiment trop devant nous, devant moi. Et tu vois, je la voyais trop, en fait. Elle était trop, trop devant moi, et les musiciens, je les voyais moins comparé à la chanteuse. Tu vois, le truc, c'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Bon, les gars, ceci dit, je voulais quand même vous mettre les quatre enceintes ensemble. Donc là, il y a les deux d'activer. Donc 2 x 2 est égal à 12, selon Jean-Claude Van Damme. Ouais, c'est... Moi, j'ai l'esprit à Jean-Claude Van Damme. Alors, attends. Allez, c'est parti pour la petite finale. Ah là là là. Les amis. Franchement, les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment. On a passé un peu de temps ensemble, j'avoue, ça m'a fait vraiment plaisir. Que bon, bah là, tu vois, d'habitude, je fais des vidéos programmées en mode. Bah, tu sais, je te mets une musique, je coupe, après, je refais une autre vidéo, tout ça. Là, on est resté ensemble tout le long. Et en même temps, moi, ça m'a permis de vous dire vraiment mes impressions à chaud sur chaque enceinte. Donc, j'ai trouvé ça stylé. Vraiment, c'était un kiff. Voilà, moi, tu sais, ça me fait kiffer. Et en même temps, si je vous fais kiffer derrière, eh ben, voilà, je suis content. Franchement, je suis super content. Et tu vois, ça met un petit peu aussi d'évasion dans la vie du quotidien, tout ça, parce que, bah, oui, ça fait du bien aussi de s'évader. Tu vois, moi, je vois, moi, mon voyage, il est là. Mon voyage, il est terre à terre avec l'IFI. Enfin voilà, je reste dans le secteur, moi, tu vois, j'ai pas besoin d'aller trop loin, je peux rester en France, j'ai plein de choses à visiter. Et c'est ça le plus important, les gars, le voyage. Le voyage au bonheur et à la liberté d'être dans l'endroit où on veut, tu vois. Allez, les gars, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, et likez, abonnez-vous, voilà, je vous le dis encore et encore. Et moi, ça me donne la force, tu vois, ça me donne vraiment la force pour la suite, vous présenter d'autres choses, même vous apporter plein de nouveaux sujets. Voilà, je vais travailler là-dessus. Et voilà, même si ce sera des sujets qui seront moins longs, moins épaississants que sur ce que je peux vous faire en ce moment. Mais voilà, avec grand plaisir. Allez, ciao, ciao. Bisous à vous.